Hello les gens, c'est le Zoologue, j'espère que vous allez bien écouter. Moi, ça va super, ça va même incroyablement bien aujourd'hui parce qu'on se retrouve pour un produit qui va être extraordinaire, ce qui va faire une vidéo absolument merveilleuse. Donc ce produit incroyable, vous l'avez nommé évidemment, en même temps il est à peu près dans le titre de la vidéo, dans les tags et dans la description, ce qui fait que c'est assez simple à deviner, c'est l'iPhone 12 Pro Max, voilà, donc qui est le téléphone le plus récent d'Apple puisqu'il vient tout juste de sortir, le 13 novembre pour être précis en France. Et donc aujourd'hui j'ai le plaisir de vous retrouver pour une vidéo qui va être donc le déballage de cette boîte mystérieuse. Qui n'est pas mystérieuse parce que c'est l'iPhone 12 Pro Max, je le dis encore une fois. Ça va être une vidéo aussi de premières impressions, voilà, feeling un peu avec le téléphone, à quoi il ressemble, peut-être un petit test de la caméra aussi. Voilà, ce genre de choses. Me permet aussi de faire une petite parenthèse, mais pour ceux qui sont abonnés à cette chaîne, vous aurez peut-être vu qu'il y a 15 minutes, littéralement, j'ai publié une vidéo où justement dedans je dis que je vais publier ma prochaine vidéo le 22. Sauf qu'on est le 15, ça commence à faire beaucoup de détails, mais il y a une petite incohérence. Eh bien écoutez, surprise, je me suis dit que c'était mieux de commencer la chaîne vraiment dans le concret. Bah donc écoutez, c'est la fête, enfin, c'est merveilleux, c'est fantastique, je me permets, mais tout de même, waouh. Bref, si vous êtes là, je sais que c'est aussi pour mon splendide visage et mon charisme absolument imprenable, mais c'est aussi pour quand même le téléphone. Donc on va passer tout de suite à l'unboxing. Voilà, on va arrêter de perdre du temps là-dessus. C'est parti. Voilà, alors j'ai mis en place un petit setup avec une caméra qui devrait être juste là, donc comme ça c'est merveilleux, vous voyez tout. Et donc on a cette boîte blanche qui n'est pas vraiment dans le style d'Apple quand même, et c'est pour une bonne raison. C'est que, en fait, Apple a eu quelques petits soucis parce que, comme vous le savez peut-être, ils ont décidé... Wow, c'est magnifique. Ils ont décidé de retirer les écouteurs donc filaires de la boîte de l'iPhone 12 Pro Max. Donc, ils n'y sont plus. Sauf que, c'est là qu'on entre en bon français. Il y a une loi française qui oblige tout vendeur de téléphone à inclure un kit main libre, donc c'est-à-dire des écouteurs, par exemple, avec un microphone intégré dans la boîte des téléphones. Ce qui fait qu'on va retrouver juste en dessous de la boîte de l'iPhone, voilà, ceci, hop. Donc c'est des écouteurs Apple tout simple. Je vais quand même me permettre de les ouvrir parce que c'est une vidéo unboxing, je vais dégager ça parce que ça ne sert à rien. Voilà, donc on est sur des écouteurs Apple très simples, vers un câble Lightning, donc comme il n'y a plus de port jack depuis très longtemps maintenant sur l'iPhone, eh bien on se retrouve avec ça. Alors est-ce qu'on a vraiment besoin de ça en 2020, presque 2021? Le temps passe vite. Écoutez, je ne sais pas vraiment quand même, tout le monde commence à en avoir, tout le monde a, surtout quand on achète un téléphone comme ça, des écouteurs souvent un petit peu plus chers ou plus haut de gamme, je pense que bon, cette loi française commence un petit peu à vieillir. On va donc passer à ce que j'ai pu mettre de côté tout à l'heure, qui est la vraie boîte de l'iPhone, donc cette fois-ci on est sur un design qui ressemble vraiment à Apple, c'est magnifique, c'est super joli. On a une boîte qui, du coup, est vraiment très fine. Je pense que vous pouvez le voir comme ça. Vous pouvez le voir ici aussi. Plein de plans, c'est magnifique. Et voilà, on a donc cette boîte très fine. iPhone 12 Pro Max, Pacific Blue, 256 Go. C'est merveilleux. On a ce film plastique qu'on va tout de suite retirer. C'est un moment de plaisir. Je vous laisse profiter de ça. Voilà, merveilleux, j'espère que cette petite phase ASMR aura été tout à fait plaisante. Et maintenant, du coup, on va se retrouver avec uniquement cette boîte sans le film. Et on va tout simplement ouvrir tout ça. Et déjà, c'est magnifique, c'est absolument magnifique. Voilà, donc la boîte est super clean, super belle. Alors, je vais me permettre de poser ça sur le côté, si vous le voulez bien, parce que ce qui nous intéresse le plus dans cet unboxing, c'est évidemment le câble et la notice. Évidemment. Plus sérieusement, on va examiner le téléphone plus en détail juste après, mais on va quand même se concentrer d'abord sur ce qu'il y a dans la boîte. Donc voilà, on va retrouver le petit design by Apple in California. L'éjecteur SIM, évidemment, ça c'est logique. Une petite notice qu'on va se faire un plaisir de lire. Voilà, c'était vraiment passionnant. Et encore une notice, bah voilà, c'est merveilleux. Est-ce que j'en ai besoin? Non, du coup, on va poser tout ça sur le côté. On a aussi du coup un petit câble, très petit câble d'ailleurs, là vraiment il est minuscule. Hop, on va venir ouvrir tout ça, qui est donc un câble USB type C vers Lightning.
et qui va donc permettre de charger l'iPhone. Voilà, parce que c'est tout de même important de charger son iPhone, c'est comment on pourrait faire sans le charger. Qui dit câble de chargement dit évidemment chargeur. Alors là, j'arrive pas à le voir, mais c'est sûrement qu'il doit être un petit peu caché en dessous. Non. Alors peut-être là-dessous, quelque part. Je vais reprendre la boîte d'avant, ils ont sûrement dû le mettre là. Je pense que c'est une petite erreur, mais... Voilà. Quelque part là-dedans, peut-être. Ok. C'est un petit peu gênant, là, du coup. Bon, évidemment, je plaisante. Comme vous le savez sûrement, Apple a décidé cette année de retirer son chargeur et les écouteurs filaires de la boîte de l'iPhone. Ce qui fait qu'on se retrouve avec une boîte qui est quand même assez vide, on va dire plus épurée. Le prétexte d'Apple là-dessus, c'est que c'est pour des raisons écologiques. Je fais tout le temps le lapsus, ça veut rien dire. Mais là où j'ai beaucoup de facilité à comprendre pour ce qui est des écouteurs filaires, parce que ça, on n'en a vraiment pas besoin, hein, c'est-à-dire que c'est un vieux truc en plastique. Effectivement, écologiquement, c'est un désastre, on n'en a pas besoin. Mais pour ce qui est du chargeur, en sachant qu'Apple a uniquement inclus le chargeur vers USB type C, donc qui est le cas de l'iPhone 12 Pro, dans la dernière line-up des iPhone 11, bah ça veut dire qu'il n'y a qu'une seule génération d'utilisateurs iPhone qui va bénéficier du fait de ne pas avoir besoin de l'acheter. Ce qui n'est pas mon cas, je vais éviter de pleurer devant vous, mais tout de même, 70€ pour avoir le chargeur et le MagSafe, j'ai envie de mourir. Voilà. Bref, au lieu de pleurer devant vous, je vais laisser mon portefeuille le faire à ma place. Je vous invite quand même à me dire ce que vous en pensez en commentaire, parce que, bah, écoutez, je pense qu'il y a pas mal de choses à dire là-dessus. Enfin bon, du coup, on va se reconcentrer sur ceci, le téléphone en lui-même, puisque c'est quand même ça qui nous intéresse le plus. Alors quand je l'ai retiré de la boîte, la première impression que j'ai eue, au-delà du fait que déjà cette couleur est absolument magnifique, c'était que c'était vachement lourd. Alors si je me souviens bien, je m'y attendais déjà quand même parce que j'ai un minimum regardé, on est sur du 228 grammes du coup pour ce téléphone-là, contre du 175 grammes sur le téléphone que j'avais avant qui était le S10 Plus, et pourtant c'est à peu près la même taille donc ça fait une sacrée différence de poids. Cependant, de ce que je peux voir pour l'instant, le téléphone tient bien en main et n'est pas non plus trop lourd, donc bah écoutez, pour l'instant ça s'annonce bien. Alors cette différence de poids, on va l'expliquer par deux facteurs. La différence de taille quand même à petite échelle, dans le sens où bah, c'est quand même un téléphone qui est plus grand, on est sur du 6,7 pouces, c'est immense. Mais aussi la présence du coup de métal sur le bord du téléphone, ce qui évidemment, bah, j'ai pas besoin de vous expliquer à quel point le métal est plus lourd, mais rajoute du poids au téléphone. Dans tous les cas, ce qu'il faut retenir, c'est que pour l'instant, il est très agréable en main, en tout cas pour cette première impression. Et globalement, il n'est pas non plus spécialement lourd, ça se tient très bien. Bon, du coup, je me permets de vous faire patienter un petit peu avant de retirer ce film plastique qui protège le téléphone. Et on va d'abord regarder l'arrière et globalement la couleur du téléphone, bleu pacifique pour moi. C'est vraiment une super belle couleur. L'arrière a ce petit côté mat qui est absolument magnifique. Alors, reste à voir ce que va donner le métal avec les traces de doigts ou même avec l'usure globalement. Mais pour l'instant, ça m'a l'air d'être vraiment super stylé. Comme toujours, de toute façon, Apple a fait un grand effort sur le design. Ça se remarque. Pour ce qui est du design de la caméra, on va retrouver un petit peu ce qu'on avait avant avec l'iPhone 11 Pro, donc c'est-à-dire trois capteurs qui sont alignés comme ça, le petit flash, et ici on a une nouveauté quand même, qui est le capteur LiDAR. Donc c'est un capteur de profondeur qui va permettre de détecter beaucoup d'éléments et tout ça. C'est assez compliqué comme sujet, donc je vais y dédier une vidéo tout entière. Ça va sortir dans pas trop longtemps, donc je vous invite évidemment à vous abonner à cette chaîne pour pouvoir suivre tout ça, je pense que ça peut être très intéressant. Pour ce qui est de la caméra, sinon, c'est la même chose graphiquement. Par contre, à l'intérieur, il y a quand même des changements qui sont notables, surtout sur la version 12 Pro Max, donc, bah, qui est celle que vous avez devant les yeux. Je vous invite à rester jusqu'à la fin parce qu'on va la tester, du coup, cette caméra. Mais je vais aussi faire une vidéo où je vais tester beaucoup plus en détail la caméra et aussi la caméra sous l'aspect vidéo, parce que justement, cet aspect vidéo était grandement vendu durant les pubs pour l'iPhone 12 Pro, donc bah, on va voir ce qu'il en est réellement. Sans plus tarder, je vais venir vous reproposer un petit moment ASMR comme tout à l'heure. Et on va enlever tout ça discrètement. Merveilleux! C'est fantastique! Bon, bah voilà, j'ai vraiment très hâte d'allumer tout ça, et c'est ce qu'on va faire tout de suite, donc, bah écoutez, c'est parti! Alors, évidemment, on a le logo Apple. Alors, attendez, j'ai une petite notification qui me dit... Ouais, exactement. Alors oui, ils ont raison, mais c'est un petit peu bizarre. On me dit qu'en fait, il faudrait que vous likiez cette vidéo pour que ça s'allume, parce que sinon, il va y avoir un problème technique ou quoi, donc s'il vous plaît, likez très très vite. Sinon, je sais pas ce qui va se passer, donc on like, j'attends toujours. C'est bon ? Ok. Voilà, c'est bon, ça marche. Évidemment. Bref, ça marche, c'est merveilleux. Allô, hola, tout ce que vous voulez. On va, hop, allumer tout ça.
on va passer en français, évidemment, parce qu'on est, on est français, ce qui est plutôt logique. Hop, on va choisir un pays, une région, on est en France, et voilà, je vais setup un petit peu le téléphone, et je vous retrouve dans quelques secondes, ou quelques millisecondes, ou encore moins, je ne sais pas, on va voir, attention, cut. Voilà, du coup, je vous retrouve, on est sur l'écran d'accueil, donc avec ce magnifique écran OLED qui surplombe bah, tout l'iPhone, c'est fantastiquement beau. Dans tous les cas, sur un téléphone à ce prix-là, on est un peu obligé d'avoir ce genre de standard pour les écrans. On est sur un téléphone qui est quand même vendu à 1 379 € pour la version 256 Go en France. C'est quand même pas rien pour un téléphone. Alors du coup, comme promis, on va faire un petit test de cette caméra qu'il y a donc maintenant sur l'iPhone, qui est une caméra qui est quand même vachement améliorée, surtout sur le modèle Pro Max. Alors tout d'abord, on va évidemment prendre un selfie de ma magnifique tête. Voilà, on va se permettre de faire ça. Merveilleux. Alors avec ça, je pense qu'on ne peut pas faire plus beau. Alors évidemment, je pense que c'est quand même grâce à moi principalement, sans vouloir être évidemment dans l'excès. Au-delà de ça, du coup, on va faire un petit test sympathique donc, des trois capteurs qu'il y a sur le téléphone. Donc on a un capteur zoom, on a un capteur ultra grand angle et compagnie. Hop, et voilà. Alors les photos vont s'afficher à l'écran, évidemment, là c'est vraiment juste une petite esquisse, mais de ce que je peux voir pour l'instant, ça me paraît être d'une très bonne qualité, évidemment, on s'y attend encore une fois avec un téléphone à ce prix-là. Voilà, du coup, je viens de regarder un petit peu plus en détail les photos et ça m'a l'air vraiment, vraiment bien. Encore une fois, on va faire un test beaucoup plus complet sur la caméra, notamment sur la vidéo et tout ça, qui sortira dans pas longtemps sur la chaîne. Encore une fois, évidemment, qu'est-ce qu'on fait? Bah, on s'abonne à cette chaîne, voilà. On clique sur le bouton qui est juste en dessous, on active les notifications. Bah, pourquoi pas? Mais bien sûr, on like la vidéo, bah oui, on partage, on fait tout ce genre de choses, c'est évident. Bon ben voilà, en tout cas j'insiste vraiment là-dessus, mais je pense que ça peut vous intéresser parce que je vais sortir pas mal de vidéos autour de ça. Je vais aussi sortir du coup des vidéos sur l'univers un petit peu iPhone, et sur l'iPhone 12 Pro Max plus précisément. Ça va être l'occasion pour moi vraiment de faire pas mal de vidéos autour de ça. Dans tous les cas, je fais aussi des vidéos autour de la tech, des unboxings, des machins, donc bah, vraiment, je vous invite à vous abonner à cette chaîne. Du coup, comme j'ai pu le dire en intro, j'ai fait une vidéo qui est sortie il y a 15 minutes du coup, qui résume un petit peu tout ce qui va se passer sur cette chaîne dans les mois à venir. Donc vraiment, ça va être assez intense comme rythme, mais quand même, du coup, c'est une vidéo qui pourrait être intéressante de voir. Donc si vous avez envie de la voir, qu'est-ce qu'on fait? Bah, on clique juste ici. Alors attendez, oui, parce que c'est un petit peu compliqué avec ce décor. Voilà, juste ici. Donc il y a une vidéo qui va s'afficher. Si vous avez envie de la voir, écoutez, allez-y, voilà, c'est toujours bien d'être curieux. Maintenant, si vous avez autre chose à faire, bah écoutez, c'est vous qui voyez. Voilà qui conclut donc ma vidéo premières impressions de l'iPhone 12 Pro. J'espère que cette vidéo vous aura plu. Si c'est le cas, n'hésitez pas à mettre un petit pouce bleu, la partager sur vos réseaux sociaux, me suivre sur les réseaux sociaux, vous abonner, blablabla, vous connaissez le truc. Mais voilà, ça peut être toujours très gentil à faire, donc moi, ça m'aiderait beaucoup. Donc si vous le faites, merci énormément. Dans tous les cas, moi je vous remercie quand même d'avoir regardé cette vidéo en entier, ça me fait vraiment très plaisir. Je vous retrouve donc le 22, cette fois-ci pour de vrai, à 14h, c'est le dimanche, donc voilà, si vous voulez mettre une alarme, n'hésitez pas. Je vous souhaite de très très bien vous porter d'ici là les gens, c'était Léo The Luck, à votre service, à bientôt.